Bonjour à toi, frérot, Sered, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi, comme d'habitude. Direction Twitter avec plusieurs petites actualités. Mais avant ça, n'oublie pas, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Ça aussi, comme d'habitude, let's go, nous sommes partis avec la première petite actu. Bon, c'est pas vraiment une actu, c'est un de mes amis qui me l'a envoyé, m'a dit Jou, s'il te plaît, regarde la vidéo, mais découvre-la en, bah, je vais dire en live, en direct comme ça, hein, avec tes abonnés, mais c'est pas en direct, donc j'ai pas encore vu la vidéo. Et apparemment, elle est vraiment très drôle, parce que je lui dis, s'il te plaît, pas de bagarre ou des choses comme ça. Il m'a dit, non, 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 t'en fais pas, elle est bien marrante. Bon, c'est, imaginez la réaction des gens quand ils voient votre visage. D'accord. Like some chemical smell, Yeah, you'll thanks. smell it. Oh, this is no And you threw flakes in it. Mommy, Put this the is stuff no down and then car. you throw the stuff. Holy Sorry. Sorry. I'm here to pick up. J'avoue que c'est un peu pété là le cri. Attends, c'est pas possible. Attends. Mommy, this is no car. Est-ce qu'on dirait qu'il y a la viole démon? Bon, bah voilà, ça nous met dans le bain directement, c'était bien marrant. Alors ici, c'est... Voilà pourquoi je vote à droite. Une jeune femme excédée filme les hommes qui venaient de la harceler. Si vous avez des infos sur cet homme ou que vous en avez été victime, n'hésitez pas à nous contacter. Ok, bon bah voyons ça, encore une bonne tranche de rire, une bonne partie de plaisir, tout ça. Voici des violeurs, vous pouvez partager sur internet, comme ça vous verrez leur tête. Elle a dit quoi, des? Voici des violeurs. Des V. Attention, quand on dit ce genre de choses, faut être sûr à 100%. Vous pouvez partager sur internet, comme ça vous verrez leur tête. Je les filme bien là, comme ça on les voit bien. Voilà pourquoi je vote la droite. Voilà pourquoi je vais de la droite. Voilà pourquoi je vais de la droite. Il nous a fait chier aussi, hein. Je vais aller voir les flics demain. On aurait été deux filles, voilà. On a des mecs avec nous, heureusement. Je vais demander aux flics, j'ai sa tête. Voilà, je vais y aller demain. Je vais me faire de la thune, puis ça se trouve, ça me sent pas au pied. Voici des violeurs. On l'a fait, voilà quoi, mais. Ah, le troll. Bon, ce genre de gars, bah, zéro éducation, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, bah, aller déposer une plainte, hein, surtout ce qu'elle dit au début, DV. Voilà, mais comme j'ai dit, il va falloir s'y habituer, les gars, tout ça. Vraiment, falloir s'y habituer, il y en a de plus en plus. Tant que l'État ne fera rien, eh bien, ça sera. Voilà, open bar, tout le monde peut venir et venir casser les pieds aux gens, comme ça, et vos filles, vos enfants, bah, devront subir ce genre de gars, voilà, ce genre de gentleman. Bon, ici, Royaume-Uni, suite à l'indignation généralisée, la police de Bolton a finalement arrêté des membres de la Ligue de défense musulmane. D'accord. Voyons voir. Il me semble que j'avais vu cette actu-là, et en plus de ça, la personne, dans l'actualité, je ne sais pas si c'est vrai, apparemment ils ont découvert qu'elle était armée d'une machette et d'un flingue. Look at that. Look at that cricket bat. See that cricket bat? Ah bah ouais, bah c'était ça qu'elle avait en main là. C'est quoi là? Enfin, que le policier avait en main. C'est quoi qu'il a? On dirait une batte. Ah voilà, il a une lame ici. Voilà, il a des machettes. Look at that. Look at that cricket bat. Chaud, est-ce qu'il est en train de se passer là en Angleterre? C'est vraiment, c'est aux portes de la guerre civile. Si c'est pas déjà la guerre civile, c'est incroyable. J'ai vu des dagris, donc des groupes islamistes qui lynchent à plusieurs et à coups de batte bah, des Anglais. Voilà. J'ai vu certains Anglais faire ça aussi. Mais c'est abusé. Donc la rue est envahie de nombreux islamistes armés de couteaux et de machettes. Quelle est la raison pour laquelle la police a laissé faire? Bah, c'est parce que les policiers
ont des ordres, et ces ordres, va savoir qui les donne, à qui profite tout ça. C'est ça le truc, un policier, normalement, il doit être au service de la nation, et le rôle d'un policier, c'est servir, aider, protéger la nation. Ah, je suis désolé, la police, là, oui, elle la protège, cela, quand tu laisses faire, non. Pourquoi le gouvernement accuse-t-il l'extrême droite? Mais je ne sais pas, un scandale dont les médias mainstream ne font pas état. Ben oui, c'est ça le truc, c'est bien ça le problème. Et ça fait peur. Ah, les images font froid dans le dos. Les images font vraiment froid dans le dos. Là, c'est carrément des milices. Royaume-Uni, des manifestants anti-immigration se rassemblent devant un hôtel hébergeant des migrants à Hull. Voilà, au bout d'un moment, ils sont excédés, ils en peuvent plus, et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le Rwandais qui a tué les petites filles. Se réveille. Voilà, un peu de solidarité. Oh, BFM, on adore ça. Les violences se propagent dans plusieurs villes du pays depuis quelques jours. Allez, on descend un peu pour les droits d'auteur et on écoute ça. Je suis certain qu'on va se prendre une belle cathédrale de propagande comme quoi bah, c'est l'extrême droite, etc., que c'est des fachos, et voilà, et qu'il n'y a aucun groupe d'islamistes milices dans les rues, voilà, comme eux. Voilà, ça n'existe pas. C'est l'IA qui a généré tout ça. Exactement, on a vu des images de violence pendant tout le week-end et à travers le pays, avec des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants. Ça s'est poursuivi aujourd'hui, par exemple, à Rotterdam, dans le nord du pays, où il y a eu en fait un hôtel avec qui auberge des demandeurs d'asile qui a été pris pour cible. On a vu des hommes qui essayaient de briser les vitres de l'établissement, certains jetaient des projectiles quand d'autres criaient des slogans comme « Mettez-les dehors ». Il y a également dans le nord-est du pays, à Middlesbrough, un rassemblement qui était prévu aux alentours de 14h. Alors au début, le rassemblement était défini comme pacifique et ouvert à tous, mais très vite, les manifestants se sont montrés agressifs et violents avec des briques, des bouteilles en verre ou encore des chaises qui ont été lancées en direction des forces de l'ordre, alors qu'un journaliste... Quand la police ne suit pas et protège des milices qui veulent te tuer, qui veulent te lécher, je suis désolé parce que quand on attaque des gens avec des machettes et des couteaux, ça veut dire clairement qu'on veut pas te blesser, on veut te tuer. Ce sont des armes létales. Donc si la police n'est pas avec le peuple, je suis désolé, elle est contre le peuple. Moi je vois les choses comme ça. Encore une fois, un policier c'est servir, aider, protéger la nation. Il ne protège absolument pas la nation. Ils sont contre la nation. De l'AFP a également été pris pour cible avec sa caméra qui a été jetée au sol et cassée. Alors les forces de l'ordre tentent toujours de disperser certaines des foules dans certaines villes du pays, notamment à Middlesbrough, avec plusieurs policiers qui ont été blessés. Et depuis le début du week-end, une centaine de manifestants ont été arrêtés. Alors le Premier ministre a bien évidemment condamné toutes ces violences. Il s'est exprimé il y a un peu moins d'une heure. Il a promis que les personnes qui ont participé à ces émeutes allaient le regretter et allaient être arrêtées. Voilà. Donc là, ils ont bien réussi à céder, à cliver le pays, au lieu de marcher main dans la main. Pour lutter contre ce qui ne va pas, on est en train de céder le pays, de cliver le pays musulman avec islamistes contre les Anglais. Alors que normalement, quand un pays t'accueille pour vivre une meilleure vie, vivre même une vie que tu n'aurais jamais pu dans ton pays de base, qu'on t'accueille comme ça, tu crées des milices et tu te retournes contre les gens qui t'ont accueilli, ça veut dire quoi ça? Quel message se faire passer par là?
Oh, et dernière vidéo, vidéo Espagne. Dans la ville de Lloret del Mar, deux individus ont eu un accident et se sont retrouvés au milieu d'un rond-point complètement défoncé avec des ballons remplis de peroxyde d'azote. Ah ben c'est bien pour défoncer le cerveau ça. Après l'accident, l'un des individus a continué à inhaler du gaz à partir d'un ballon, tandis qu'un groupe de jeunes apercevant la scène a commencé à sauter sur leur véhicule. Bon, en gros, ben, y a rien qui va dans cette vidéo et là je voulais vous montrer justement les effets quand tu es mal entouré, certainement, il n'y a pas que le ballon, hein, y a sûrement d'autres drogues pour réagir comme ça. Hein. Comme quoi la drogue, les gars, la drogue et l'alcool, hein, ça ne noie pas les soucis, ça ne les cache pas. Ça, justement, il y en a de plus en plus, la drogue et l'alcool ne dissoudent rien du tout. Ça dissout juste le compte en banque, ça dissout ta santé, mais ça ne dissout pas les problèmes, ça dissout ta famille aussi, les relations que tu as avec tes amis. Donc ne faites pas comme eux, les gars, ne finissez pas comme eux, s'il vous plaît. Aussi bien ceux qui filment que ceux qui sont dans la voiture. Ah, ils sont morts de rire, ils se rendent même pas compte de ce qu'ils viennent de faire. Bon, heureusement, il n'y a pas de morts, il n'y a pas de blessés. Bon, c'est bien, moi ça met un peu de modération entre la première vidéo et la dernière, même si la dernière elle est bof bof hein, finalement. Voilà, c'était juste pour faire passer le message, ne te drogue pas et ne prends pas des substances qui te détruisent ton cerveau, qui détruisent ton cerveau s'il te plaît. Et bien voilà, frérot, serait la petite news actus termine ici, j'espère que t'as bien aimé. Rien d'autre à ajouter, paix, amour, santé. Dis-moi tes impressions dans l'espace commentaire. Moi je te laisse ici. Je te dis à la prochaine, on se dit. Bah justement, aux prochaines news et actu. Bye bye. Et fais très attention à toi.